Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Kaiser 3 épisode 3 dans lequel nous attendons toujours la sortie imminente, on l'espère, de Pharaon New Area. Et nous avons un petit festival, voilà, dont doit avoir lieu ce soir, voilà, chacun accueille avec plaisir cet événement qui brise la monotonie de la vie au quotidien. Donc on avait fait ça pour pouvoir satisfaire les dieux, parce que certains dieux commencent à être pas contents du fait que la population augmentait, mais qu'on n'augmentait pas le nombre de fidèles. Et comme on peut voir, la colère de Mars plane sur vous. Réjouissez-vous pour l'instant si vous l'osez, car vous ne possédez pas encore de ressources militaires. Mais Mars ne laissera pas aussi facilement insulter. Prenez garde. Et donc notre chantier là de l'épisode est de faire en sorte que les dieux soient contents de nous. Pour faire un petit point ici, c'est ça. On a fait la petite fête pour Xerès. Il est exalté, c'est très bien. Et là, il faut qu'on fasse la même chose, donc des grands temples pour chacun, et potentiellement travailler aussi sur un festival pour chacun, ici. Ça va être long, mais on s'y tient comme on peut, et c'est principalement lié à, à là, où il nous faut deux de marbre à chaque fois pour faire une grosse structure. Et là, je vois qu'on en a deux, autant en profiter. On va faire Vénus. Qu'on va te mettre Vénus t'étais là. Vénus on va mettre là ici. Normalement on va te péter toi. Voilà. Très très bien là dessus. Donc là normalement Vénus va être un tout petit peu moins irritée. Pas contente parce qu'il n'y a pas grand monde, mais ça va s'augmenter. Et dès qu'on en a deux de plus, on fera les autres. On fera au fur et à mesure, on va faire grossir les différents bâtiments, du moins culte, indifférent, voilà, on a augmenté tout ça. Maintenant, il va nous falloir aussi travailler l'attrait ici, ne peut pas, parce qu'il n'a pas assez de distractions à côté. Donc là, on avait travaillé sur l'amphithéâtre ici, on va refaire un point sur la population. On a une taxe de 1338 ici, et on a 500 en gros de bénéfices ici, de toute façon c'est marqué plus ou moins là, hein. Un petit revenu ici, dépenses, mais si on enlève les constructions, on est à plus de 500, c'est très bien, on a 110 forces libres, donc on va pouvoir faire le petit amphithéâtre qui va bien, là, construire une école de gladiateurs, ça bosse ou pas ici, pas de combat actuellement. D'accord, il faut vraiment une école de gladiateurs en plus. Voilà, on va faire ça là. Donc il faut qu'on fasse toujours attention à l'argent qu'elle diminue, mais nous avons un revenu positif. Ça qui est important. Là, la distraction ici même devrait nous faciliter la montée de la population ici. On leur demande maintenant une école ou une bibliothèque, bien sûr. Et on va travailler sur l'école. L'école, c'est où déjà? L'école est là. Ah bon, il y en a, il est pas content parce qu'on a provoqué la colère, toujours. On va te mettre toi ici. Même si je pense que je t'aurais mieux mis ici, comme ça c'était un peu moins ambigu. Ah, de l'eau potable. Mais il se fiche de moi, l'eau, elle est là. L'eau posait pas de problème auparavant et là maintenant ça pose problème. Bon, ben, on va mettre un petit puits. Regardez, même toi tu peux pas y avoir accès. Eh ben tu feras 100. Pour l'instant tu feras 100. J'ai pas envie de te mettre un puits ici. Même si je peux, je n'ai pas envie pour l'instant. T'as quelques maisons qui vont me casser les pieds. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir les deuxièmes de marbre. Le deuxième de marbre, il n'est pas encore là. 92%, donc c'est pour bientôt. Et toi, t'es plein. T'es full. Donc, il va falloir qu'on diminue potentiellement quelques petites ressources. La colère, oui. Ok, très bien. Oui, on a été aussi victime de vol qui se passait ici. Mais c'est pas bien grave. Nous allons le rectifier. Il a fait disparaître par enchantement une partie des biens stockés dans les greniers et entrepôts. Oui.
Ça, c'est moins cool. Donc, c'est Neptune qui est pas content. Neptune qui est pas content. Eh bien, Neptune, on va essayer de le... Attendez, c'est Neptune qui est pas content ? De Mercure, pardon. Mercure. Mercure, grand temple, Mercure. Ouais, je vais détruire toi. Alors, attends, quelle couleur le temple de Mercure ? Mercure, il se trouve là, Mercure. Ok. Mercure, si on te fait ça comme ça, et qu'on est là, ça devrait le faire. Voilà. Qu'est-ce qui te manque, va régresser parce qu'il a encore de poteries. Bah oui, on m'a volé à peu près toutes les poteries que j'avais. Donc, c'est peut-être normal. Ou pas. Donc là, Mercure va être satisfait. Exalté, non, c'est haut, hein. J'ai envie de le penser. Il nous reste maintenant Neptune, ici. Et ensuite, ça sera l'autre. Toi, t'es qui? T'es un bureau d'architecte. On va juste te décaler d'un cran. Voilà. Et on préparera ici le truc qui va bien. 1300 de population, c'est toujours bien. Il leur faut... Oula, j'ai touché sur un truc de plan de construction, j'avais oublié. Ces combinaisons de touches, dis donc. Les termes. Les taux de chômage élevés, ok. Pas une immigration, on a combien de taux de chômage là? 19%, nourriture de peu qui est stockée, ça me choque pas. Vu comment on a pris cher d'un coup. Toi, tu bosses bien. On va y mettre donc un terme là. Rome baisse les salaires. Ok. Nous, pour l'instant, on va pas encore les baisser. On va pas encore les baisser, ça, on va laisser faire tranquillement. La population devrait quand même tenir et monter. On n'a plus beaucoup d'immigration qui vient, mais c'est pas grave. Et là, il leur faut plus de divertissement. Et le divertissement, de toute façon, il viendra par un seul truc. Maintenant, je pense que c'est l'hippopo. Ah non, on a le Colisée, bien sûr, qu'on pourrait faire. En fait, la seule chose que je ne sais pas, c'est si je le mets là, est-ce qu'il rayonne bien tout en bas. C'est juste ça qui m'embête. Parce que je serais tenté de le faire, mais peut-être pas si vite que ça. De toute façon, le but, c'est d'abord faire tous les dieux pour les satisfaire. Voilà, Mercure, il est heureux. Il y en a deux qui sont pas contents. Pas contents. Et lui, il lui manque maintenant une école. Il manque un théâtre. Charmé par l'intention que lui accorde votre cité de Cérès, accroît la fertilité de vos cultures. Voilà, donc ici on était un peu limite. Et là non, ça devrait remonter tout doux. Parce que la fertilité va être bonne. Donc j'imagine que soit on en produit plus, soit on produit plus vite. L'un dans l'autre, on devrait s'y retrouver tranquillement, j'imagine. Les maisons évoluent. C'est toujours bien. T'as pas accès au terme, mais le terme il est là. En fait, c'est toi qui passes pas du bon côté. En passant là, tu vas bien faire les deux côtés à la fois. Et juste pour toi, tu vas me casser les pieds parce que t'as juste pas accès à de l'eau, quoi. Ok, ça c'est bon. Alors les salaires, ils en sont où? On a plus 700, c'est très bien. Le plus 700. On va quand même faire une ferme supplémentaire. Ferme de blé.
être certain que on ait suffisamment de nourriture. Neptune, on va t'en charger maintenant. C'est tout de suite un peu plus joli. 1, 2, 3, 4. Il nous reste donc Mars à gérer. Mars, je l'avais mis où, le temple de Mars? Il était là. Il va falloir qu'on le déplace, donc. Et vous, ici, vous m'agacez, donc je vais devoir faire toute une construction pour déplacer un tout petit peu d'eau. Ok, ça c'est pour plus de messages qui traînent. Que te manque-t-il, toi? Il te manque une école. L'école, j'ai mis ici et elle n'arrive pas à faire le tour. Donc là, ça va être la bibliothèque qui va devoir être ajoutée. Qui passe en haut ou en bas, de toute façon, qu'importe, ça devrait faire monter tout ce qu'il faut ici. De population, le chômage il est à 10%, tout le monde a l'air content, les nourritures sont faibles, c'est juste ça, désire plus de bibliothèque, plus de religion et meilleur accès aux loisirs. Ma vie, mécontent, irrité. Donc Neptune, on va lui faire une petite fête à Mercure. Deux théâtres pour 1000 personnes et on est à 1300, donc il va falloir monter ça. C'est Razi, toujours ravi. Ouais. Donc il va falloir faire le nécessaire pour Mars dès qu'on aura ce qu'il faut. Toi tu montes, toi tu montes. Je pense qu'il va aussi faire donc l'amphi, l'aqueduc. Quand ça sera possible. De toute façon, là je vais pas pouvoir passer ici. Il n'y a pas de place ici. S'il n'y a pas de place, de toute façon, l'aqueduc, il n'aura pas le choix que de venir ici. De toute façon, si c'est ça, il faut que je fasse la fontaine, on va la mettre. Là, j'ai envie de vous dire, il y aura donc une ressource. Ça coûte cher quand même, hein. Niveau ressources, on commence à être un peu limite. Voilà. Et là, de toute façon, tout va monter. Et on devrait être un peu plus heureux. Se réjouir des augmentations de salaire annoncées par l'Empire. Vous espérez bien sûr que les efforts soient faits. Le petit festival, ça fait du bien. Donc on va re-augmenter les salaires finalement. Car c'est pour nous embêter tout ça. 1600, 900, très bien, on va tenir la charge. Là maintenant on va faire le grand palais qui s'impose pour ce cher Mars. Et le grand palais pour Mars, on va le mettre là, donc on va juste péter. Voilà, toi, on va te mettre la fontaine ici, et normalement, je vais me mettre Mars là. Voilà. On a mis un grand temple pour chacun, on a enlevé les petits temples qui traînaient. Et pourquoi vous pouvez pas? Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture à proximité. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. On va refaire encore un peu à manger parce que je pense qu'on a un tout petit souci là-dessus. Ils vont trouver des maisons qui vont bien. Vous avez quoi? Vous avez besoin de distraction? Pour l'instant, on n'est peut-être pas dans l'urgence de faire de la distraction. Construire des plazas et tout ça. Voilà. Et vous, il vous faut quoi? La proximité du marché pose problème. Tu se fiches de moi que de dire ça. Voilà.
Là, tout le petit écart, il est propre. Et maintenant, il va falloir faire un dispensaire et ce qu'il faut. Donc, dispensaire, ça coûte pas cher. On en profite, on le fait là. Ça devrait rayonner assez globalement, normalement. Ravi de votre dévotion, Mercure remplit l'un de vos greniers de précieux ressources. Merci. Oh, ça fait du bien. Matière première. C'est un truc qui me surprend, c'est que j'ai pas moyen de faire de la pêche à première vue. Non. Mais c'est le quai qui doit permettre potentiellement de faire venir des marchands. Ou qu'on aille faire un peu de commerce, je sais plus si c'est dans un sens ou dans un autre, justement. Et toi, tant que tu me donnes pas de nourriture, je suis embêté. Ils ont déjà vidé tous les stocks ici. Wow. C'est parti vite. Ok, on n'a plus beaucoup de sous. J'ai peur que le grenier casse un petit peu l'attrait. On va tenter un truc comme ça. Et je pense qu'on va juste y mettre. On va pas mettre de pompiers, mais bon. La caisse de votre cité est vide. Ah, César nous donne un petit peu de sous. 8000. Allez! Tout de suite un peu plus à l'aise. Et donc si on est un peu plus à l'aise, on va pouvoir relancer certains chantiers. On demande un peu plus de loisirs. Et là, s'il nous faut du loisir, on va jouer là-dessus. Bon. J'ai envie de vous dire, ça passe pile poil. Il faut un parc de lions, bien sûr. Bravo, vous aussi sont fiers de vous. Servir ce qui n'était autrefois qu'une petite ville est devenu une véritable cité grâce à l'ouverture ici du Colisée. Et tout le monde en profite. C'est excellent. On évolue tellement vite, j'adore ça. J'adore ça. Que nous faut-il maintenant? A besoin de vin. Donc maintenant il faut faire la chaîne de production du vin. Et normalement, on peut faire ce qu'il faut. Est-ce que les dieux sont tous contents? Exalté, charmé, charmé, exalté, c'est bon. Mais on va pas forcément faire de festival dès à présent pour éviter d'être embêté. Toi, il te manque une école et toi, il te manque un barbier. Le barbier reste facile à faire. Ça devrait être suffisant, même si le placement n'est pas optimal, je pense. Donc, toi, il te manque vraiment une école. Donc, s'il te manque une école, faire l'école ici. Pourquoi t'as pas de route ici? Il va me falloir, je pense, une route là pour pouvoir faire monter et descendre le loisir des deux côtés. Et là, on voit tout de suite que là, qu'il est monté en insula imposant. La nourriture, toujours pas bon. Lui, il trouve pas de main d'œuvre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première priorité. Même eux, ils sont montés parce qu'ils ont trouvé du plaisir avec le Colisée. Et c'est génial. On a un peu moins de force disponible pour faire la suite. Le barbier, il va pas jusqu'au bout. Qui est stupide un petit peu.
Et toi, t'as pas accès à des lieux de culte. Il y en a, ils se fichent de moi quand même, hein. Si le dispensaire pose problème. On va faire donc le barbier ici et le dispensaire ici. Et donc on va supprimer toi et toi. Vraiment, toi tu vas aller là, tu vas descendre et tu devrais rayonner partout. Logiquement, ça devrait se faire comme ça. Et là, ils ont besoin d'un autre type de nourriture. Bah oui, parce que j'ai déjà plus de poissons et trucs comme ça, je pense. C'est aussi ça le problème. Que va-t-il me falloir maintenant? La chaîne de prod de vin. Donc le vin, il faut du raisin, bien sûr. Est-ce qu'on a de l'olive? Oui, on a des olives d'avance et de l'huile également. Pas s'inquiéter. Et toi, tu trouves personne. Ça c'est fait, esprit. Je pète. C'est toi et toi ici. Les populations vont augmenter. Toi, dès que tu as fini cette production-là, je te fais l'usine de le chai, hein. Ça doit, je sais pas comment ils ont appelé ça. Le vin, un truc de vin, tout court. Hein. Ils ne se sont pas embêtés sur les termes. Toi, tu vas où, toi? Il n'y a plus de place dans la cité pour stocker ces biens. Ok. Nulle part. Bon, ben, on va te faire... On va te faire un petit chai, hein, j'imagine. Les entrepôts. Ah, il faut peut-être un entrepôt, simplement. Donc, en tout cas, si je te fais, toi, ici, tu vas pouvoir me le stocker là. Et ce qui va me falloir... Donc, toi, t'as trouvé du monde, non, pas encore. Et je pense qu'il va falloir faire un entrepôt supplémentaire. Voilà. Ça, on a tout de rempli. Même peut-être un peu trop de ressources qui traînent par-ci par-là. Mais on est quand même monté pas mal en population. Globalement, on est très très bien. Toi, tu vas bosser, tu vas faire ta transformation et on pourra voir le résultat après. Lui, il a un effet négatif avec toi. Tu n'es pas une priorité, mais on t'augmente quand même. Toi, t'as besoin d'un terme. Est-ce que ça m'intéresse de faire un terme? Je ne sais pas trop. Faire toi ici. Voilà, ça fait quand même augmenter la population, l'argent et tout ça qui va avec. Moi, je pense qu'eux, ils n'ont pas de taxes. Voilà, il y en a deux populations qui ne subissent pas ça. Et on a quand même 2300 quand même qui sont ici. Et 1300, donc on a un petit bénéfice de 1000. Et ça, c'est bien quand même. Vous me dites qu'il vous faut plus de choses. Oh, c'est nul, les plazas. Pas sûr que ça fasse effet. Ok, ben on va devoir faire, je pense, quelques petits jardins, parce que s'ils ont des problèmes d'attrait, ce petit jardin devrait faire l'effet. Voilà, l'effet escompté, c'est parfait. Donc on est à une population de 1700 bientôt.
Il y en a qui se sont fait un peu dégager, mais d'autres qui reviennent. Kain a besoin d'un marché à proximité, mais ça, je pense que c'est un peu moins important. Vous êtes tous ici. On a pris de l'ampleur d'un coup. Hein. On a pris de l'ampleur. La relation avec les dieux, c'est satisfaisant. J'ai envie de vous dire, charmé pour certains. Il va me falloir potentiellement... Alors, l'oracle. Est-ce qu'on peut le travailler, l'oracle ? Je ne sais pas s'il y a un emplacement particulier à avoir. On va le mettre là pour l'instant. Le temple de marbre augmente l'attrait de quartier et apaise les dieux. En revanche, il n'emploie pas de prêtres. Il ne procure pas d'habitation. Vous avez besoin d'un accès à un dieu particulier. J'ai rien compris. Augmente l'attrait, d'accord. Augmente l'attrait du quartier, d'accord, ok. Ok, donc là maintenant c'est le marché qui pose problème. Fallait s'en douter, bien sûr. Ah, celui-là, important. Et il va falloir donc du vin. Le vin, on doit en avoir un petit peu, peut-être qu'il traîne, je sais pas où. Je ne sais pas. Parce que le vin, normalement, on le produit. Toi, t'es déjà full. Il est déjà full. Ok, problème de population, là. J'ai eu un problème de population. En tout cas, on est passé en petite villa, et ça, c'est génial. C'est génial, sauf qu'on a des problèmes de stock. On produit trop de choses, j'ai l'impression. C'est pas cool cool. Ça, toi t'as pas encore besoin. T'as pas encore une assez diversité de nourriture. Et je pense qu'on va faire des fruits. C'est ce qui va nous manquer, je pense, pour terminer. L'évolution au niveau de la nourriture. On va mettre ça de manière classique. J'espère qu'ils peuvent aller jusqu'en bas pour aller chercher de la population qui va bien. Lui, c'est bon. Et lui, il est là, normalement, il a trouvé, c'est parfait. Maintenant, il nous manque beaucoup de population. On a besoin de 69 habitants. J'imagine qu'il n'y en a pas qui arrivent. Ouais, il n'y a pas grand monde qui arrive quand même. Hein. Ouais. On a fait peut-être un peu trop de construction, peut-être pas assez de maisons. Se permettre de faire ça. On va mettre directement le plaza qui va bien. Parce qu'il va me casser les pieds sinon. Et si on arrive à mettre le plaza qui va bien, on devrait être tranquille. Il y a un petit peu de population qui arrive. Mais c'est pas foufou. Ouais, pas assez de logements. Toi, il te faut quoi? Ces réservoirs qui apportent un attrait négatif. Ouais, on va essayer d'augmenter l'attrait comme on peut, de toute façon. Il doit s'y mettre. Là, papa, parce qu'il n'y a pas de marché. Tu ne m'étonnes pas. Le marché, on pourrait le mettre ici, mais si on le met là, il pourrait potentiellement après s'ouvrir un peu au-dessus. Ça pourrait être une solution, j'imagine. Sachant que toi, pour l'instant, t'as toujours été vide parce que tu trouves personne. Et surtout que mon grenier reste vide principalement. Donc le faire comme ça ne me... Je trouve pas ça déconnant.
peu de loisirs, un peu de d'hygiène, éducation, parce que tout le reste est occupé. Ah, c'est 10 employés à chaque fois. Waouh. Tout s'explique. Tout s'explique. Là, j'ai fait un petit espace de disponible. Attendez, j'ai du mal. Ici, j'ai un petit espace disponible s'il faut. Petit Audi pose problème. Les petits Audi sont là. Non, ils sont où les petits Audi? Il est là, le petit Audi. Est-ce qu'ils ont pas la nourriture nécessaire, ceux-là? C'est normal. Toi, t'es plutôt bien, tranquille ici, c'est bien. Toi, t'es en train de ne pas évoluer parce qu'ils ont pas de marché à proximité. Mais ça, c'est n'importe quoi. En fait, on a perdu beaucoup de population. Et là, on va commencer à être en berne. Donc, on va juste couper ça. On va essayer de retrouver un petit peu de tranquillité parce qu'on risque d'être embêté. Sinon, le marbre, on va le couper. A besoin de deux populations, c'est bien, ça va remonter. Et là, la population va remonter tranquillement, normalement. Voilà, en tout cas, comment c'est géré l'épisode. On a fait le Colisée, et ça, c'est le plus beau. On a eu des petites villas, mais elles vont revenir au fur et à mesure. Ils ont besoin d'un deuxième type de nourriture, et pour moi, ça va être les fruits qui vont pouvoir normalement y répondre. On a augmenté un petit peu certains quartiers. On a bientôt le grand insula qui est là. Lui, il est bien impacté par lui. Ça, c'est génial. Et pour le reste, je vous dirais que ça avance tranquillement. On va essayer de retrouver les villas et de stabiliser cette partie-là. Et normalement, on devrait être bien. J'ai l'impression qu'on peut faire un oracle ailleurs pour être tranquille, par exemple, pour monter l'attrait. Il y a de plus en plus de problèmes. Si l'attrait est un des problèmes. Ouais, un petit peu. On est bien, on est bien, on est bien. Ici, l'attrait devrait faire monter cette partie-là. Mais voilà, grosso modo, comment ça se passe. J'espère que ça vous plaît toujours, mais moi, pour l'instant, ça me plaît totalement. Vous pouvez le voir à ma voix et quand même à mon enthousiasme. N'hésitez pas. Les premiers épisodes ont bien plu, ça, c'est génial. Et on va continuer comme ça. Et puis voilà. De toute façon, on regardera ce message-là prochaine fois. Mais sur ce, je vous souhaite bonne continuation. C'était Cyril. Ciao, bye bye.